Stéphane, je vais juste te présenter Ariane. Ça va être la cohorte d'eau pour les Guatémaltèques. Regarde! Je suis fort avec les coucheuses, là. J'ai les pleurs, puis je fais de maïs. Ça colle, ça, cette affaire-là, là, ça bloque le drain. C'était de la pleure, quoi, ça qui allait dans toi, Mimi, hein? Si c'est niaisé, vous travaillez? Pas de temps à perdre, moi, là. Il est rough. C'est lui qui a eu l'idée des Latinos. C'est à cause de lui si on a de la job. Pas aller plus vite que ça, là. Les gars sont crevés. J'appelle l'agence, là, puis ils m'en chipent d'autres. Tu veux juste un an? Tu peux pas demander à un de tes temporaires québécois, là, de le remplacer? Y en a pas de cab qui pèlent à 10$ de l'heure. Okay. Là, c'est ma tête qui se bio. Fais ce qu'il faut, OK? On n'est pas très impressionnés par les résultats du dernier trimestre. C'est le dernier récit. Faudrait y fouetter un peu. Ariana. Está bien tu espalda. Sí, muchas gracias. No quiero perder días de trabajo. Pourquoi ils disent pas non des fois? Ils ont peur. Je leur dis qu'on peut y renvoyer n'importe quand. Mais donc, toi, là. Pourquoi il y a des caméras tout d'un coup? J'ai été 35 ans des ressources humaines, j'ai jamais vu ça. Mais c'est pas illégal de les surveiller? Je veux que tu te mêles de ça, c'est clair. Que s'ils font une enquête, on va tout prendre notre job. Comment vous la croyez? C'est votre parole contre la sienne, M. Cormoyer. Tu peux-tu penser à toi avant les autres? Tu peux pas être complice de ça, là. C'est dégueulasse la façon dont t'es traite. Je te dis, Ariane, si tu veux jouer à ça, tu comprends pas.